Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée Parlons Santé, une émission spéciale sur les maladies vectorielles à tiques. Nous avions à cœur à Réinfo de pouvoir vous proposer une soirée spéciale, discuter avec vous, vous informer, pouvoir répondre aussi à vos questions. C'est aussi très important pour nous de pouvoir parler de la santé intégrative et puis discuter qu'est-ce qu'on peut faire autour des maladies vectorielles à tiques. Donc, je dis bien maladie vectorielle à tiques, puisque tous, nous avons en tête la maladie de Lyme. Mais finalement, je vous dirais, mais pas que Lyme, il y a tout ce qui se cache aussi derrière. Donc, ce soir, nous allons avoir quatre invités, un petit peu plus que d'habitude. On va passer un petit temps pour que chacun puisse se présenter. Alors, le premier, je ne le présente pas, parce que vous le connaissez déjà tous. Bonsoir, professeur Perron. Bonsoir Aurélie. Et bienvenue. On vous a beaucoup entendu pendant la crise Covid sur les maladies infectieuses d'origine virale. Et là, ce soir, l'idée, c'est de parler de Lyme. Je ne sais pas si tous nos auditeurs sont au courant de Lyme et des maladies vectorielles à tiques, que vous êtes un spécialiste de ces maladies. C'était mon premier combat avant mon combat sur le Covid, c'est que ça fait 20 ans que je me bats pour les malades, pour la reconnaissance de la maladie d'âme et les autres maladies transmises par les tiques. Tout à fait. Donc, on va apprendre beaucoup de choses ce soir. Et je vous remercie d'être parmi nous. Alors, je vais faire monter aussi Grégoire. Bonsoir Bonsoir. Grégoire. Je te laisse te présenter. Bonsoir, je suis Grégoire, le fondateur de Social Lyme. Et donc voilà, j'ai été invité pour participer à cette émission et c'est avec plaisir que je suis là pour parler de Lyme, de ses co-infections, mais aussi de la plateforme et de ses raisons d'être. Voilà. Merci. Et puis Cédric, bonsoir. 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 Donc, moi, je suis Cédric, hein, je suis naturopathe, éducateur sportif. J'habite en Alsace, donc une terre du Lyme. Hein. Voilà, donc je suis ici pour vous présenter le métier de naturopathe, comment le naturopathe peut venir vous aider quand vous êtes atteint de Lyme, d'une maladie vectorielle à tiques. Merci Greg. Et puis notre quatrième invitée, Valérie, que j'ai insisté pour que Bonsoir. Valérie soit parmi nous ce soir. Merci Valérie, qui est Merci, alsacienne merci. aussi. Moi, je suis une des coprésidentes d'une association d'intérêt général qui s'appelle le collectif Lyme Team, que nous avons rendu associatif en 2018, mais qui s'est créé en 2014 à l'initiative de sept malades qui ne se connaissaient pas à la base et qui ont appris à se connaître, à travailler ensemble et qui s'entendent très bien. Merci beaucoup Valérie. Je pense que c'est vraiment important aussi pour nous de pouvoir donner la parole au collectif et puis aux malades et de pouvoir témoigner. Merci. Et je voudrais, donc on va commencer un petit peu avec toi pour discuter un petit peu de pourquoi le collectif, Lyme Team. Ben, tout simplement parce que quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on était tous malades, qu'il y avait un problème, une discorde internationale sur les maladies vectorielles à tiques, c'est-à-dire les maladies diffusées par les tiques aux animaux et aux humains, qu'il y avait des problèmes diagnostiques et des problèmes pour le soigner, et que des gens restaient très malades et qu'il y avait une grosse discorde sur la maladie que l'on dit chronique ou en tout cas qui perdure, un peu à l'image du Covid long dont on entend parler depuis quelque temps. Voilà. Merci Valérie. Et puis ce soir, l'idée c'était que tu puisses nous donner un petit peu des informations. Oui, Notamment. alors moi je vais vous parler des tiques Voilà. et je vais vous parler de prévention. Alors, les tiques, tout d'abord, il y a différentes sortes de tiques. Je ne vais pas toutes les détailler. Chez nous, en Europe, en France, c'est principalement une tique qui s'appelle Ixodes ricinus. Mais d'autres espèces ont voyagé jusqu'à chez nous. On nous dit que c'est à cause du réchauffement climatique. Et ces nouvelles espèces de tiques qui débarquent en Europe, qui sont passées par l'Espagne pour arriver dans le sud de la France, eh bien, elles apportent avec elles d'autres maladies vectorielles à tiques, dont le professeur Perron parlera tout à l'heure. Alors, ces bestioles, évidemment, elles ne sont pas trop nos amies. Elles peuvent nous contaminer avec différents pathogènes, différents microbes qui sont à la fois des bactéries, des virus et des parasites. Alors, on nous dit aussi souvent qu'il n'y a pas que les tiques. En effet, les poux, les thans, les aoûtas, les moustiques aussi sont un petit peu dans l'œil de mire
parce que bah, des personnes ont développé après des morsures ou des piqûres de ces insectes-là. Alors, pour revenir aux tiques, les tiques véhiculent des maladies qui, en principe, ne sont pas contagieuses comme le serait une maladie respiratoire. Cependant, elles peuvent se repasser, par exemple, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. C'est avéré, c'est reconnu. La contamination sexuelle de ces maladies est discutée. Je n'irai pas plus loin là-dessus. On parle aussi un petit peu de la transfusion sanguine de gens qui ont eu ces maladies. Donc ça, je ne vais pas non plus le discuter pour l'instant. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est que les tiques, elles sont partout. Elles sont aussi bien en ville qu'à la campagne, qu'en forêt, que dans la plaine ou qu'en altitude. Il y a des gens au ski qui se font mordre par des tiques. Il faut le savoir. Et nos animaux de compagnie nous rapportent des tiques à la maison, souvent. Donc, quand vous dormez avec Mimi ou avec Bobby, s'il est allé se promener, vous risquez peut-être d'avoir des tiques qui viennent sur vous ou qui se baladent dans votre lit. Alors, une tique, c'est tout petit. Elle vient sur vous parce qu'elle veut faire un repas sanguin. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte ou on ne la voit pas. Elle peut être toute petite. Si c'est un bébé tique, une nymphe, elle est aussi grosse que la tête d'une épingle. Alors moi, par exemple, qui ai des problèmes de vision de près, autant vous dire que j'aurais du mal à la voir avant qu'elle ne grossisse en prenant mon sang. Alors, en général, la morsure de la tique, c'est indolore. Elle peut se détacher de vous une fois qu'elle a fait son repas sanguin. Mais si vous la voyez sur vous, il ne faut pas attendre pour intervenir. Alors, règle numéro 1, parce que énormément de gens nous téléphonent, ils sont complètement paniqués. La règle numéro 1, c'est pas de panique. La deuxième, c'est faire vite pour la retirer. Et pour cela, il faut avoir des crochets à tiques. Alors nous, ce qu'on dit au collectif Line Team, à tous les gens qu'on rencontre sur des événements, des stands, c'est s'il vous plaît, achetez des crochets à tiques, mais pas que deux. Mettez-en dans votre sac à main, dans votre sac de randonnée, dans la maison, dans la boîte à gants, dans le cartable des enfants, parce que c'est le jour où on en a besoin qu'on ne sait pas où elles sont. Donc, si vous en avez avec vous à différents endroits, le jour où vous avez besoin de retirer une tique, vous avez ce qu'il faut. Et en plus, vous avez même ce qu'il faut pour aider quelqu'un à retirer sa tique, ce qui m'est arrivé souvent dans les rues de mon village, parce que moi, j'en ai toujours dans mon sac à main. Alors, on enlève une tique avec un crochet à tique le plus vite possible, c'est important, et on désinfecte bien. Je voudrais tordre le cou à des trucs qui circulent, des remèdes de grand-mère ou des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Non, on ne doit jamais rien mettre sur une tique avant de l'enlever. Genre, pas d'éther, pas de savon, pas d'huile essentielle, etc. Sinon, elle va se sentir agressée et elle va régurgiter. Et c'est en régurgitant qu'on a énormément de chances d'être contaminée par les microbes qu'elle avait dans son intestin et qu'elle va régurgiter. Alors, autre chose aussi, à chaque fois que vous rentrez chez vous, que ce soit d'une balade en forêt, dans la plaine, dans un parc, où vous êtes allé avec vos enfants, ou même si vous avez fait du jardinage, eh bien, vérifiez-vous. Regardez partout et demandez à quelqu'un de regarder aussi sur votre tête. Alors, je sais bien qu'elles ne grimpent pas aux arbres, les tiques, mais sur les arbres, il y a des petits animaux, comme des écureuils, des oiseaux, qui peuvent très bien, eux, avoir des tiques. Et si vous passez par là, que la tique considère que vous êtes une super cible, elle risque de tomber sur vous. D'ailleurs, les coiffeurs trouvent souvent des tiques dans le cuir chevelu de leurs clients, il faut le dire. Donc, revenons à ce que je disais. Si vous avez retiré une tique de vous, que faites-vous? Vous désinfectez, vous notez bien la date du jour où vous avez été piqué. Comme ça, vous vous en souviendrez toujours, parce que vous pourriez tomber malade des mois ou des années plus tard après cette morsure et vous ne ferez plus le lien. Si c'est un enfant qui s'est fait mordre, écrivez-le dans le carnet de santé, écrivez la date. Voilà. Éventuellement, si vous les supportez, mettez des huiles essentielles anti-infectieuses sur le site de la morsure pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et surveillez-vous. On nous parle souvent d'une tache sur le corps qu'on appelle un érythème migrant, rouge. Alors, c'est pas toujours une cible bien précise. Si vous regardez sur Internet, vous verrez qu'il y a une variété d'érythèmes migrants.
Ça, c'est la preuve, si vous avez ça, vous êtes contaminé par la maladie de Lyme. Mais j'insiste, l'éthique ne donne pas que la maladie de Lyme. M. Perron nous en parlera. Alors, on désinfecte, on note la date, on se surveille. Au moindre symptôme, direction chez le médecin, vous lui dites que vous avez été mordu et il faut qu'il vous place sous antibiothérapie. Inutile de faire des tests à ce stade, ils seront négatifs parce que vous n'aurez pas d'anticorps avant longtemps. Chose aussi importante, le fameux érythème migrant dont je viens de vous parler, il n'est pas systématique. Moi, par exemple, j'ai été mordu une première fois il y a longtemps et j'ai déclenché des symptômes et j'ai eu zéro érythème migrant. 20 ans plus tard, j'en ai eu un énorme. Voilà. Et même des fois, l'érythème migrant peut venir plus tard. Alors, vous l'aurez compris, il faut se protéger. Et il faut beaucoup protéger les enfants parce que leur taille est plus petite que la nôtre. Donc, eux, quand ils se baladent, ils courent dans l'herbe, ils jouent au ballon, ils jouent à s'attraper, ils sont beaucoup plus exposés que nous. Et donc, quand vous allez à l'extérieur, protégez-vous. Alors, évidemment, quand c'est l'été, on aime bien être en short et tout ça, mais moi, j'ai envie de dire, fini les amoureux dans l'herbe, fini les shorts et les sandales en randonnée ou dans les hautes herbes, etc. Mettez des vêtements clairs, ça aide à voir s'il y a une petite bestiole noire qui grimpe dessus. Éventuellement, mettez vos chaussettes au-dessus des pantalons et un chapeau. Vous pouvez utiliser des répulsifs. Ces répulsifs, vous les trouvez en pharmacie ou dans les magasins bio, par exemple, sur Internet également. Vérifiez un petit peu de quel répulsif il s'agit. Il y en a des chimiques, des naturels. Certains, on peut les mettre sur le corps, d'autres aussi sur les vêtements. Moi, par exemple, j'en mets toujours sur mes chaussures ou sur le haut de mon pull, de ma veste, voilà. Et il existe, pour les gens particulièrement exposés, des vêtements traités. Par exemple, les gens qui travaillent dans la forêt, ce genre de choses. Alors, attention, ce n'est pas parce que je parle de forêt, de plaine, qu'il ne faut pas oublier que ça peut être en ville. Moi, j'ai une tique qui m'est tombée sous le bras, avenue des Vosges à Strasbourg, une grande avenue strasbourgeoise, où il y a des arbres. J'attendais quelqu'un et j'ai une tique qui m'est tombée dessus. Il y a 20 ans, je n'aurais pas su dire que c'était une tique, mais maintenant, je sais. Alors, autre chose aussi, quand vous rentrez chez vous après des balades comme ça, prévoyez de laver vos vêtements. Le must, c'est de les laver à 60 degrés ou plus, comme ça, ça fait crever la bestiole. Une chose qui marche bien aussi, c'est le sèche-linge, c'est une bonne option. Évitez de mettre vos habits de jardinage ou, je sais pas, de marche dans les armoires où vous avez vos vêtements de tous les jours. Mettez-les ailleurs. Voilà. Vos chaussures aussi, on a eu pas mal de gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient piqués dans leur voiture. Et au final, on a trouvé avec eux, c'est parce qu'ils en avaient sur leurs chaussures de marche et puis que ça se baladait dans la voiture après. Donc, peut-être on peut enlever ses chaussures de marche, mettre une autre paire de chaussures avant de remonter dans sa voiture quand on rentre de forêt. Donc, ça, c'est bien. Dans tous les cas, prenez des douches en rentrant, vérifiez-vous et vérifiez vos enfants. Les enfants, si on leur explique bien comment se vérifier, ils nous le disent, je vérifie les bébêtes. Et ça, c'est important. J'insiste sur les enfants parce que, selon la présidente de l'association Enfance Lyme & Co, avec laquelle je suis souvent en relation, les enfants, c'est les grands oubliés une fois qu'ils sont malades. C'est la catastrophe pour trouver quelqu'un qui les prenne en charge. Donc, pensez bien aux enfants et apprenez-leur. Ils intègrent très vite les mouvements de prévention. Alors, si vous récupérez une tique, elle était sur vous, vous l'avez récupérée, elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Inutile de mettre le feu à la maison en brûlant votre tique. Le mieux, c'est de la mettre dans un scotch et de l'envoyer aux chercheurs de l'INRIA de Nancy. Pour cela, vous pouvez télécharger sur votre smartphone une petite application qui s'appelle Signalement Tique, dans laquelle il y a plein d'informations sur les tiques, qui vous renseigne aussi sur les lieux où vous auriez envie d'aller vous promener aujourd'hui, et tiens, il y a eu pas mal de gens qui ont été piqués, et où on vous explique à quelle adresse envoyer la tique que vous avez retirée sur vous à l'instant, et vous allez l'envoyer, et par ce biais, vous allez aider les chercheurs à travailler sur les tiques. Par contre, j'insiste sur une chose, c'est de la recherche sur les tiques, ce n'est pas un laboratoire de biologie humaine qui va vous dire si votre tique, elle était infectée ou pas, parce que souvent, les gens se trompent avec ça.
Alors, même si toutes les tiques ne sont pas contaminantes, selon les études que j'ai lues et compulsées, on peut dire quand même que 1 sur 3, voire 2 sur 3 dans certaines régions le sont. Donc, c'est un peu la roulette russe quand on se fait piquer. Et que lorsqu'elles nous contaminent vraiment, elles apportent avec elles entre deux et quatre infections. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours que la maladie de Lyme. On peut avoir notre maladie concomitante. Donc, ça, c'est important. Si vous avez été piqué, il se peut que vous n'ayez rien. Vous êtes asymptomatique. Il y a des gens même qui sont très infectés, qui sont asymptomatiques. Les chercheurs se demandent pourquoi. C'est intéressant de le savoir. Vous pouvez avoir des symptômes de suite. Donc, vous êtes fait piquer et dans les jours qui viennent, vous avez des symptômes. Donc, ne laissez aucun médecin vous refuser des antibiotiques puisque vous venez d'être piqué et que vous avez des symptômes. Qui plus est, si vous aviez un érythème migrant, prenez-le en photo. C'est triste à dire, mais collectez les preuves. N'oubliez pas, si vous avez des symptômes, des mois ou des années plus tard, à ces piqûres de tiques, surtout si vous êtes comme beaucoup des gens qui nous appellent, des gens qui avaient vécu dans des zones où vous avez, pendant votre enfance, votre adolescence, été souvent piqué par des tiques. Voilà. Alors moi, je dis souvent piqûre de tiques, symptômes égale docteur plus antibiotiques. Ça, c'est vraiment mon dada. Je répète, vous avez été piqué, vous avez des symptômes, c'est docteur et antibiotiques. Ne perdez pas de temps à ce niveau-là. Une chose aussi, n'allez pas aux urgences pour faire retirer une tique. C'est pas le lieu. Les urgentistes, ils ont autre chose à faire. Alors nous, au collectif Lyme Team, on s'est renseigné et on a appelé l'ordre des pharmaciens. Et dans toutes les officines, il y a une trousse de secours. Et dans cette trousse de secours, pour qu'elle soit valide, il y a des crochets à tiques. Donc quand dans une pharmacie, on vous dit non, 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 allez voir un médecin ou allez aux urgences, c'est un défaut d'information dans cette pharmacie. Donc, j'invite les gens qui nous écoutent à retenir cette information et à informer les pharmaciens qui leur diraient « je peux pas vous enlever une tique ». Parce que je le rappelle, plus vite elle est enlevée, mieux c'est. Donc, les pharmaciens peuvent enlever les tiques avec des crochets, vous désinfecter, éventuellement sur place, vous donner des huiles essentielles à mettre sur la piqûre. Alors, voilà ce que je voulais dire assez brièvement pour la prévention. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Alors, d'après les associations France Lyme et ChroniLyme, qui ont fait un gros travail là-dessus, on peut estimer qu'en France, il y a 300 000 personnes qui sont touchées par an et qui vont être infectées par des piqûres de tiques, et non pas 65 ou 70 000, comme nous le dit le réseau Sentinelle, qui ne fonctionne pas. Nous contestons, vous l'aurez compris, ces chiffres de Santé publique France et nous attestons que c'est bien plus. Aux États-Unis, par exemple, c'est 500 000 personnes par an. Par an. Alors, parmi les personnes qui se font mordre par des tiques tous les ans, il y en a qui vont tomber malades et qui seront prises à temps, qui vont s'en remettre facilement. Et entre 20 à 28% de ces personnes, malheureusement, ben, pour elles, la galère continue. Elles sont toujours malades, voire elles s'empirent. Et la difficulté pour elles, c'est de se soigner et de trouver des médecins qui croient effectivement que cette chronicité ou cette longévité de leur maladie qui s'aggrave vient bien d'une maladie vectorielle à tiques. C'est pour ça que les associations françaises, tout autant qu'elles sont, européennes et voire mondiales, se battent à l'heure actuelle. Alors, vous savez peut-être que les diagnostics sont difficiles en matière de maladies vectorielles à tiques. Je ne vais pas vous parler des tests maintenant, mais voilà. Les autorités traînent des pieds pour accepter ce que les associations réclament. Et à ce sujet, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur le site de France Lyme ou de ChroniLyme, où ils verront un plaidoyer écrit par ces deux associations et que nous validons tous, un plaidoyer pour une véritable prise en charge de la maladie de Lyme dans notre pays. Ce plaidoyer, n'hésitez pas à le prendre, à l'imprimer. Et quand je vois des gens sur les réseaux sociaux qui disent « je vais écrire à mon député », ben, envoyez-lui ce plaidoyer en annexe. Autre chose aussi que je voulais vous dire, sur quoi insiste ce plaidoyer ? Les tests qui sont pas bons. On veut des soins éprouvés, une reconnaissance de la maladie.
Dernièrement, il y a une étude américaine qui a porté sur des milliers de personnes et qui démontre que les gens sont rejetés, maltraités et que bah, les médecins qui vont voir ne veulent même pas les entendre. Donc, c'est très important parce que ça, ça n'aide pas non plus à aller mieux. Ça vous traumatise, vous êtes en errance médicale. Voilà. On veut aussi que les enfants, qui sont les grands oubliés, trouvent à être soignés. Voilà, d'autant qu'aux États-Unis, le CDC américain, c'est un peu l'équivalent du ministère de la Santé, vient de classer la maladie de Lyme, par exemple, dans la rubrique des maladies chroniques. Et en France, pas un mot. Donc, il serait temps que ça se réveille. On attend depuis plus de 20 ans que les choses avancent. De nombreux militants avant nous se sont battus pour ça. De nombreux médecins, ils l'ont payé cher d'ailleurs, souvent. Mais en France, le plan Lyme qu'on nous avait promis est complètement à l'arrêt. Il n'y a pas de nouvelles recommandations depuis 2020 concernant le parcours de soins. Et on aimerait que les choses avancent. Pour ça, on a besoin de l'aide de tout le monde. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'aux États-Unis, il y a pas mal de recherches, notamment l'université de Tulane, qui a travaillé sur des nouveaux tests plus performants qui seraient capables de diagnostiquer pour certaines maladies bactériales atypiques des stades précoces de la maladie ou des stades tardifs. Et ils travaillent également sur des traitements plus adaptés. Alors, vous avez sans doute aussi entendu parler de vaccins, Pfizer et Valneva, qui parlent de vaccins pour la maladie de Lyme. Nous, ça nous fait beaucoup rire, parce que rien que pour la maladie de Lyme, il y a beaucoup de bactéries incriminées. Et Lyme, ce n'est qu'une seule des maladies vectorielles à tiques que peuvent nous passer les bibites, comme disent les Canadiens. Ils appellent les tiques les bibites. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de nous dire que 15 jours d'antibiotiques, vous êtes guéri. Ça, ce n'est plus recevable à l'heure qu'il est. Et on ne peut plus passer du temps à ne plus savoir comment aider les gens qui perdent leurs emplois et qui sont dans des situations catastrophiques à la maison. Alors, un dernier mot pour finir. Je voulais dire qu'il y a plusieurs associations en France. Elles communiquent entre elles. Leurs membres sont tous des bénévoles et la plupart sont malades, voire très malades. Donc, il nous faut à tous des membres actifs, des gens qui font autre chose que de râler sur les réseaux sociaux. Pardonnez-moi si j'en choque certains. Mais il faut retrousser ses manches et venir aider les associations. On fait quand même face à un scandale sanitaire qui est époustouflant depuis 30 ans. Et les associations, même si ça ne se voit pas souvent sur les réseaux sociaux, elles œuvrent auprès des politiques français et européens, des médecins et des chercheurs, et de la population, par exemple, comme nous ce soir, tous ensemble, on est en train d'œuvrer auprès de la population pour faire passer le message. Alors, si les malades considèrent que les choses n'avancent pas, je les comprends de tout mon cœur, mais il y a un tel délai entre le combat qu'on mène et les résultats qu'on peut avoir qu'on peut comprendre la souffrance et la colère des malades. Mais ce ne sont pas les associations qui sont mauvaises, c'est notre ennemi qui est puissant. Et ça, j'aimerais qu'on s'en souvienne. Ce ne sont pas les associations qui sont mauvaises, c'est l'ennemi qui est puissant. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole au professeur Christian Perron, qui, lui, c'est le spécialiste des maladies vectorielles atypiques. Moi, je te remercie, Valérie, mais il y a une petite question quand même pour toi, parce que tu parlais des crochets atypiques tout à l'heure, et il y a quelqu'un dans le chat qui demandait si c'est les mêmes crochets pour les animaux que pour les humains. Si on peut utiliser les crochets de son chat, de son chien, pour soi. Oui, alors, la meilleure des choses, c'est d'acquérir des crochets vendus en officine pour les humains. Mais il existe des crochets aussi pour les animaux. J'en ai là deux pas de moi, qui sont plus grands parce que chez les animaux, bah, il y a la couche de poils. Sincèrement, je pense que oui. Parce que, en tout cas, ceux que j'ai achetés moi, qui sont faits pour les animaux, ils ont la même forme. Par contre, là où je ne suis pas sûre, c'est qu'ils sont un peu plus longs et que je ne suis pas sûre qu'on arrive bien à manœuvrer. En étant un peu plus près, on maîtrise mieux le mouvement du crochet atique. Et pour le crochet atique, enlevez-vous de l'idée qu'il faut tourner à droite ou à gauche. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est juste. Voilà, rien à voir. De la retirer. Oui.
Voilà. Merci beaucoup Valérie. Donc ce que je retiens en tout cas ce soir, c'est la demande des collectifs, en tout cas, c'est d'avoir des tests, des soins et la reconnaissance. Et effectivement, dans le chat, il y a énormément de gens qui nous témoignent du temps de diagnostic qu'ils ont dû subir de plusieurs années. Hein. Professeur Perron, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de ces maladies vectorielles à tiques. Tout à fait, oui. Ouais, moi, quand je suis arrivé, j'ai terminé professeur à Garches en 1994. J'avais entendu parler de la maladie de Lyme avant, et mon chef de clinique assistant quand j'étais interne dans le vieil hôpital Claude Bernard était le premier en France à avoir parlé de la maladie de Lyme, avoir importé des États-Unis les premiers kits pour faire les sérologies, les cultures. Et donc, un petit peu par hasard, quand j'étais interne, j'avais entendu parler de cette maladie. Et quand je suis arrivé à Garches, qui est dans la banlieue ouest de Paris, plus près des forêts, j'ai vu beaucoup plus de malades en consultation. Et là, j'étais impressionné. J'ai vu des malades qui avaient des problèmes neurologiques articulaires terribles, et qui avaient même à l'époque, bon, pour certains, une preuve absolument formelle par la sérologie qu'ils avaient de la maladie de Lyme. Je les traitais, ils étaient très contents. Ils disaient « Merci docteur, vous m'avez sauvé ». Et puis, quelques semaines après, elle venait me voir en disant « C'était super votre traitement, mais je rechute. » Et je l'ai retraité, guérissais, j'arrêtais, il rechutait. Et je disais « Mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir donner des antibiotiques ad vitam aeternam à plein de gens. » J'ai quand même vu qu'il y avait un problème. Donc, à l'époque, j'étais allé encore directeur adjoint d'un centre de recherche dans l'Institut Pasteur sur la tuberculose. J'avais des amis à l'Institut Pasteur et parmi les microbiologies, j'avais réuni un groupe de travail à Garches pour dire c'est une maladie bizarre, tout n'est pas va pas comme il faut, est-ce qu'on peut faire un travail de recherche? Ils étaient tous d'accord, et puis il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais été contacté par la première association de malades de Lyme qui s'appelait les Nymphéas. C'était une dame qui habitait à la Baule avec sa fille et qui faisait beaucoup d'équitation, qui avait été très malade parce qu'elle avait été piquée par les tiques de ses chevaux, qui était paralysée. Et je dis à ce groupe de chercheurs, je suis en contact avec des associations de malades qui veulent que je soigne leurs patients. Et là, j'ai vu le gars de l'Institut Pasteur dans la tête s'est décomposé en disant « Ah non, non, les associations de malades, c'est tous des fous, c'est une secte. Je le sais parce que j'ai des copains aux États-Unis, on n'a pas le droit de parler de maladie de Lyme. » Et là, j'ai vu qu'il y avait une omerta. J'en parlerai pas là parce que Valérie m'a dit « Surtout, tu parles pas de ça, mais quand même. » Il y a une histoire militaire derrière dont je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Les Boréliens étaient trafiqués, il faut le savoir. Après, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui explique que quand même, toutes les sociétés savantes, tous les journaux médicaux, il y a eu des centaines de millions, voire plus de dollars qui ont été donnés pendant 30 ans pour dire à tout le monde, attention, la maladie de Lyme n'existe pas, et qu'on a mis au point des tests de diagnostic appelés sérologie, c'est-à-dire la recherche d'anticorps dans le sang. Comme disait très justement Valérie, il faut surtout pas le faire au début parce qu'au stade de la piqûre de tique, c'est toujours négatif, mais après, ça peut être positif. Mais ça a été calibré pour qu'il n'y ait que 5% des gens dans une population qui ont Lyme qui soient diagnostiqués. Ça, je l'ai publié, je l'ai écrit, j'ai jamais été contesté sur ces chiffres parce que j'en avais la preuve à l'époque. Donc, on a mis toutes les sociétés savantes, tous les journaux médicaux depuis 30 ans publient des éditoriaux. La maladie d'Lyme n'existe pas. Les tests sont parfaits. Ça guérit en 15 jours d'antibiotiques. Et tout ça, c'est du pipeau pour protéger l'armée américaine. Bon, voilà, il faut le savoir. C'est comme ça. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, j'ai jamais été attaqué parce que j'ai dit ça. Il y a des livres qui le prouvent maintenant. Il y a un vote de la Chambre des représentants aux États-Unis qui a confirmé tout ça. Voilà, alors je parlerai plus de ces histoires politiques, mais faut expliquer quand même aux patients qui sont là, leur médecin qui dit « Lyme n'existe pas, le test est parfait », tout ça, c'est qu'ils ont été manipulés par une petite caste qui leur a imposé cette vision. Et c'est totalement bidon. Moi qui suis médecin, chercheur, j'en ai ras-le-bol. Effectivement, les tiques ne transmettent pas que la maladie de Lyme, mais malheureusement, jusque dans les années 50-60, les chercheurs du monde entier publiaient librement sur la Borrelia, la bactérie. Alors, ça s'appelait pas Lyme à l'époque, c'était pas connu sous ce nom-là, mais il y avait des Borrelios connus depuis la nuit des temps, sur les certaines fièvres en Afrique dues à des piqûres de tiques. La publication était libre, comme si je publiais sur la tuberculose, le sida ou autre chose.
Et puis d'un seul coup, quand il y a eu cette histoire un peu politique aux États-Unis dans les années 80, il était interdit de publier, sauf sous contrôle, toutes données sur la maladie de Lyme ou les autres maladies transmises par l'éthique. Effectivement, il n'y a pas que la maladie de Lyme. C'est pour ça que moi, j'ai lancé un terme qui prend beaucoup au niveau international actuellement. J'ai appelé ça les crypto-infections parce que ce n'est pas moi qui ai inventé l'histoire que beaucoup d'humains, bah, probablement d'animaux aussi, mais on est tous porteurs en fait de bactéries, de parasites, de virus qui dorment dans nos tissus. On n'est pas forcément malade avec, mais tous les humains, on est des gros sacs de microbes en fait. Mais on vit en bonne intelligence parce qu'on a un bon système génétique, on a une bonne alimentation, on se défend naturellement. Et il y a beaucoup d'infections donc inapparentes. C'est Charles Nicolle dans les années 20 qui avait décrit ce concept dans un livre merveilleux, qui était un chercheur français qui avait été directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, qui avait eu le prix Nobel sur le typhus. Et Charles Nicolle avait dit, on a en nous beaucoup de microbes qui sont responsables de maladies chroniques, inflammatoires, dégénératives, peut-être de cancer, etc. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce terme au niveau international de crypto-infection, c'est-à-dire les infections cachées, parce que c'est pas que la boréa de la maladie de Lyme, les tiques, et puis il y a aussi d'autres vecteurs que les tiques, ou même on peut être contaminé par d'autres voies. Il y a des bactéries, des parasites, des virus, quelquefois des champignons qui nous habitent. Et parce qu'on a un jour une fragilité, parce que le système immunitaire s'affaiblit, parce qu'on a un gros stress. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des rechutes ou des flambées de la maladie parce qu'ils ont perdu un être cher, malheureusement, qui ont des... Donc, on sait que le stress, le psychisme peut induire ces maladies. Les gens qui ont une mauvaise alimentation, l'activité physique, il y a plein de facteurs, peut-être les métaux lourds, peut-être d'autres produits chimiques qu'on bouffe dans une alimentation industrielle, peuvent favoriser l'émergence de germes qui sont finalement, qui dorment en nous. Mais on a tous des germes qui dorment en nous. Et la maladie de Lyme, c'est un des exemples. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Valérie quand elle dit qu'il faut arrêter de parler que de la maladie de Lyme. Moi, je dis qu'il faut parler des crypto-infections. C'est pas uniquement d'ailleurs les maladies vectorielles à tiques. Il y a des microbes transmis par voie respiratoire, par voie sexuelle, par voie digestive, par d'autres voies. C'est beaucoup plus large. Et ça expliquerait, ça explique pas tout, mais ça peut être un cofacteur de beaucoup de maladies chroniques, inflammatoires, auto-immunes, des lupus, des scléroses en plaques. Je dis pas que toutes les scléroses en plaques, c'est là, mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit ça, toutes ces crypto-infections peuvent être un facteur favorisant, déclenchant, d'entretien. Et aussi de maladies dégénératives comme l'Alzheimer, comme état de maladie neurologique terrible. Et il y a des preuves scientifiques là-dessus. Il y a beaucoup de publications là, sur ces données. Mais malheureusement, une espèce d'omerta, qui est coordonné par un petit groupe au niveau international, qui interdit de parler de ça. Et ce qui est terrible, c'est que quand j'étais à la tête de beaucoup de commissions, j'étais présidé la commission maladie transmissible au Conseil de santé publique, bon, j'ai beaucoup œuvré dans des institutions officielles, j'avais, de par ma position, quand il y a eu des groupes de travail à la Haute Autorité de Santé, j'avais œuvré avec d'autres collègues à obtenir une certaine reconnaissance officielle. C'était avant le Covid, hein, c'était peu de temps avant. J'avais demandé qu'il y ait des centres de référence cliniques dans différentes parties du territoire français pour l'accueil et la prise en charge des malades. Mais j'avais demandé, c'était écrit d'ailleurs dans le premier rapport de la Haute Autorité de Santé, que dans le comité de pilotage des centres, il devait y avoir des représentants des associations de malades, et si possible aussi des représentants des médecins Lyme, ceux qui soient les généralistes qui soignent des Lyme au quotidien, qui ont vraiment l'expérience. Malheureusement, le Covid est arrivé, tout ça a été mis à la poubelle. Et ce qui est terrible, ce que je vis très mal, parce qu'on avait, même aux États-Unis, ils admiraient ce qu'on avait obtenu en France à l'époque,
Maintenant, tout était foutu à la poubelle. Il n'y a jamais eu une chasse aux sorcières aussi féroce que depuis le début du Covid. C'est-à-dire que les autorités ont profité du Covid pour attaquer, mais de façon violente et massive, tous les médecins Lyme qui bougent un petit peu. Moi, j'ai un ami qui a été radié à vie, j'ai d'autres qui ont été menacés, radiés. Et maintenant, ce qui est terrible pour moi, c'est qu'il y a quelques années, alors que la chasse aux sorcières avait existé aux États-Unis il y a 20 ans ou 15 ans, c'était fini. Maintenant, aux États-Unis, les médecins peuvent soigner Lyme sans être pourchassés. En France, on a toujours 15 ans de retard. C'est maintenant qu'il y a la chasse aux sorcières, qui n'existait pas quand j'ai commencé à me battre pour Lyme. À l'époque, les médecins généralistes, ils restaient un peu discrets, ils pouvaient sauver des milliers de patients. Personne ne leur disait rien. Maintenant, ils sont systématiquement attaqués et radiés. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui en France, les malades m'écrivent tous les jours, ils ne trouvent plus de médecins. Moi, alors, quelquefois, j'essaie de les envoyer à des copains, des médecins qui soignent Lyme depuis des années. Ils me disent « Non, mais Christian, arrête de m'envoyer des malades, je suis sous surveillance, je ne peux plus prendre de nouveaux malades. » Ils vivent dans la peur. Je suis obligé d'envoyer mes malades à l'étranger. Et ça, pour moi, c'est une honte nationale que toutes ces autorités, sous l'influence de gens corrompus, ont... empêche totalement la prise en charge de la maladie de Lyme en France. Effectivement. Et d'autres vectoriels latiques dont on ne parle pas, mais qui sont bien plus présentes, et j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, puisqu'il y a des résultats d'examens de laboratoires de recherche qui montrent qu'il y a beaucoup d'autres germes transmises par les tiques. Et effectivement, il y a quand même, on a beaucoup de commentaires dans le chat et beaucoup de gens qui demandent comment trouver des médecins, donc on se rend compte que c'est ultra compliqué d'avoir une prise en charge correcte en France, et qu'il y a de y avoir de ça. Alors, parce que malheureusement, les médecins qui sont excellents, j'en connais, qui ont soigné beaucoup de patients, ils ne veulent plus, c'est pas qu'ils ne veulent pas dans leur fort intérieur, mais ils sont menacés. Ils disent que ça, si je prends un des nouveaux malades, moi j'ai le conseil de l'ordre sur le dos, je vais être... Et c'est des gens qui sont plus jeunes, bon, moi je... Maintenant, je suis à la retraite, mais il y a un médecin qui a 30 ans, 40 ans, qui a encore 20 ans de carrière, et il ne peut pas se permettre d'être radié. Alors, ce qui se passe actuellement en France, c'est pour ça que je suis content qu'il y ait des spécialistes de médecine naturelle, c'est que les malades se tournent vers les médecines naturelles. Alors, là encore, quand on dit ça, c'est un gros mot. Et moi, j'ai appris ça par mes patients, parce que moi, à la fac de médecine, on ne m'a pas appris le pouvoir des plantes, de la phytothérapie. C'est des malades que je voyais s'améliorer, je ne comprenais pas trop pourquoi, qui m'ont dit, vous savez, docteur, j'ai pris des extraits de pépins de pamplemousse, j'ai pris du ginkgo biloba, j'ai pris de l'origan, et depuis, je vais beaucoup mieux, toutes mes douleurs articulaires ont disparu, je suis en pleine forme. Et c'est les malades qui m'ont appris tout ça. Et alors, quand j'ai osé dire ça, que je croyais aux médecines naturelles, il me suffit pas de faire latin. Mais pourquoi tout ça est attaqué? Pour revenir à l'histoire, M. Rockefeller, qui a fait aux États-Unis, qui a fait fortune dans le pétrole, dans les années 20, il a racheté toute l'industrie chimique américaine. L'industrie chimique, c'était après le développement des molécules pharmaceutiques. Hein. Dans les années 20, il a fait une chasse aux sorcières sur toutes les universités américaines pour faire interdire toute médecine qui n'était pas chimique et brevetée. C'est-à-dire que la médecine chinoise, l'acupuncture, la médecine traditionnelle, même il y a des médecines à base de micro-courants qui marchent dans le monde entier, c'était interdit. Donc, évidemment, je n'ai pas appris ça à la fac de médecine, mais j'ai réalisé que en fait, tous les médicaments brevetés dérivent des plantes. Et la phytothérapie, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Ça fait 20 ans que je l'ai utilisé avec mes patients, avec pas un succès à 100% chez tout le monde, mais ça, je peux pas donner non plus. Parce que la maladie d'âme chronique, quand elle est vraiment chronique et bien installée, les bactéries sont là à vie. Donc, le traitement, il est à vie. Si on arrête, ça refuse tout de suite. Je ne peux pas donner des antibiotiques à vie. Les antibiotiques posent un problème un peu écologique, de résistance bactérienne. Et avec les plantes, il n'y a pas de souci.
Alors, je ne dis pas que ça marche tout le monde à 100%. Et c'est ce qui m'a frappé aussi dans cette prise en charge de maladie de Lyme, c'est qu'on dit que c'est une bactérie, donc c'est un antibiotique. Ok, ça marche, mais un antibiotique tout seul va marcher chez certains, mais chez beaucoup, ça ne va pas être suffisant parce que c'est des antiparasitaires, parce que justement, il y a d'autres bactéries qui sont associées, ou parasites qui sont associés qu'on ne diagnostique pas par des tests qui n'existent pas aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas les donner à vitam aeternam, mais j'ai réalisé qu'avec des méthodes naturelles, on pouvait contrôler la maladie de beaucoup de gens. Il n'y a aucun truc qui marche à 100%, y compris. Parce que quand on dit qu'il y a le microbe, il y a le patient, chez le patient, il y a les problèmes psychiques, il y a une dépression, un stress peut abaisser les défenses immunitaires, il y a l'alimentation. Et j'ai vu des gens transformer en changeant leur alimentation. Ça, j'étais scotché parce que j'avais pas appris ça à la fac de médecine. Donc, l'activité physique, peut-être les métaux lourds, d'autres facteurs jouent un rôle. Il n'y a pas que un microbe, un antibiotique. Ça marche chez certains, mais ça va être une minorité. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon expérience. Pourquoi je suis tombé là-dedans? Et surtout, ce que je dénonce, c'est qu'on a tout fait pour ne développer aucun test diagnostique fiable et qu'on a attaqué tous les laboratoires qui essayaient d'en développer. Merci. Et on a aussi des questions sur le… Y a-t-il un lien avec Epstein-Barr virus? Parce qu'on a des commentaires. Le virus de Epstein-Barr, il touche 95% de la population, parce qu'on a tous Epstein-Barr. Alors, les Epstein-Barr, quand on fait la mononucléose infectieuse, c'est une maladie du baiser. Donc, quand on embrasse sur la bouche quelqu'un, quand on est jeune, on peut faire cette mononucléose. En tout cas, ça passe inaperçu. Il n'y a aucun signe, il y a un petit peu de fièvre. Quelquefois, on a l'angine, des gros ganglions, ça va durer 15 jours, on est très fatigué. Ce qui est montré, c'est quand on fait la vraie mononucléose infectieuse, ça entraîne une immunodépression profonde qui va durer 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça qu'il y a des maladies chroniques qui démarrent après une mononucléose infectieuse. Parce que la mononucléose infectieuse, même si elle est bénigne, qu'elle guérit, c'est un peu comme une chimiothérapie. Ça veut réduire le système immunitaire de façon drastique pendant une période transitoire, bien sûr. Alors après, on ne peut pas mettre sur le dos du virus Epstein-Barr toutes les maladies de la Terre, mais on sait probablement que sur des terrains génétiques fragiles, peut-être avec des souches d'Epstein-Barr un peu particulières, il y en a certaines qui sont capables de continuer à se répliquer de façon active. Alors que normalement, un individu qui fait de la mononucléose, bon, il réplique le virus. Faut savoir que tous ces virus, Epstein-Barr et tous les autres virus du groupe herpès, tout ça, c'est la famille des virus herpès. Une fois qu'on est contaminé, ils sont à vie dans l'organisme. Selon les virus, c'est dans la varicelle, c'est dans le système nerveux, ça peut venir à Zola. L'herpès, ça va devenir des boutons de fièvre ou des anomalies, des infections génitales. Le cytomégalovirus, ça fait partie de la famille. Ces virus, ils sont là à vie. Habituellement, ils dorment. Et on sait que quand vous êtes stressé, ben, vous pouvez sortir un bouton d'herpès parce que le virus qui dort, ben, il va sortir. Et la même mononucléose, c'est pareil. On est guéri à vie. Mais de temps en temps, si on est fatigué, qu'il y a un autre facteur, ben, on va se remettre à sécréter du virus d'Epstein-Barr dans la salive. C'est comme ça qu'il va contaminer si vous embrassez quelqu'un sur la bouche ou le cytomégalovirus, c'est par les urines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épidémies de cytomégalovirus dans les crèches. Parce que le premier bébé contaminé à la crèche, parce que le cytomégalovirus, il est éliminé par les urines de temps en temps. Oui. Et dans les crèches, comme les bébés font pipi dans leur couche, les puéricultrices courent d'un bébé à l'autre, ça ne lave pas toujours les mains. Il y a beaucoup de contamination entre gamins. Et après, c'est les gamins qui filent le cytomégalovirus à leurs parents, parce que la maman qui fait change la couche, le bébé se lave toujours les mains, elle lui fait un bisou sur les fesses quand elle arrive, et hop, elle se contamine. Et on sait que tous les processus de contamination de ces infections des virus du groupe herpès qui peut jouer un rôle, à mon avis, favorisant dans beaucoup de maladies chroniques. Mais ce n'est pas la seule cause. Oui, merci. Merci, professeur Perron. Donc là, on retient que le traitement, c'est les antibiotiques, qu'on peut trouver
du soutien avec ce qu'on appelle les médecines douces ou en tout cas l'idée de la santé intégrative. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu avec Greg et qu'on parle un petit peu de son vécu et de ton parcours, Greg, et puis de Social Lyme. C'est super. Déjà, je suis ravi d'entendre toutes ces informations de la part de Valérie et du professeur Perron, parce que c'est vrai que c'est très qualitatif et je pense que ça parle à beaucoup de gens. En tout cas, je le souhaite. Moi, Social Lyme, je pense que toutes les raisons ont été dites, je vais peut-être le dire plus en détail. Il y a bien une bonne dizaine d'années, j'ai commencé à avoir pas mal de symptômes. J'ai commencé à être très malade. Je me suis retrouvé quasiment 2 ans alité. J'allais de service en service, d'hôpital en hôpital, de médecin en médecin, et personne ne trouvait finalement ce qui m'arrivait. Donc c'était une période très compliquée, parce que du coup on se retrouve vite un petit peu tout seul avec soi-même, tout le monde commence un petit peu à partir, les amis, les proches aussi, les médecins commencent à se dire si on trouve pas ce qu'il a, peut-être que c'est dans la tête, etc. Or, quand on est finalement malade, c'est pas forcément dans la tête, ça peut devenir un problème par la suite, parce que forcément, psychologiquement, ça a un certain impact. Et du coup, j'ai commencé à chercher moi-même sur Internet des moyens de m'en sortir. Et c'est là que je suis tombé sur la maladie de Lyme et même d'autres types de maladies. Donc, j'ai commencé finalement à faire le travail d'un médecin que le médecin devrait faire lui-même. Et finalement, je l'ai fait en France. J'ai compris qu'en France, c'était compliqué parce que les tests de diagnostic n'étaient pas forcément très fiables. J'ai quand même réussi à le faire au laboratoire Barla. J'ai fait un LTT, un test de transformation lymphocytaire, qui est revenu fortement positif. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bingo, enfin un test qui prouve que j'ai quelque chose, quoi. Et du coup, je retourne voir mon médecin qui me dit, mais non, ce test-là, en France, les médecins ne le reconnaissent pas. Donc, on ne vous soignera pas pour ça. Donc, je continue à m'informer, j'essaye de voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en Pologne. Là, je commence à m'intéresser au Western Blot, je refais des tests. Et là, on se rend compte que là-bas, ils sont positifs, alors qu'en France, ils étaient négatifs. Donc, forcément, dans la tête, ça fait bizarre. On se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qui va me soigner? Qui va me prendre en charge? À qui en parler? Et finalement, cette solitude déjà face à la maladie, ensuite face au diagnostic et aussi dans la vie plus généralement, parce qu'on se retrouve isolé professionnellement, socialement, à peu près à tous les niveaux, on continue quand même de chercher des solutions. Hein. Sinon, l'autre solution, c'est au revoir, hein. Je saute par le balcon et on n'en parle plus. Mais j'ai essayé d'opter pour l'autre, quand même un peu moins radical. Et cette option-là, c'était je vais essayer de me soigner par moi-même, parce que je n'ai pas vraiment d'autre solution. Donc, c'est rebelote, on recommence à faire des recherches, à s'informer, on lit des livres. Donc, du coup, j'ai lu toute la littérature sur Lyme, que ce soit Horowitz, le professeur Perron, bien sûr, William Jacob, Judith Alberta, enfin tout ce qui passe un peu partout et dans toutes les langues. J'avais la chance de parler plusieurs langues, du coup c'était un peu plus facile. Et on commence à se soigner, on essaye plusieurs protocoles. C'est très particulier parce qu'en fait la maladie de Lyme et ses co-infections, du coup, parce que forcément il y a les co-infections qui peuvent venir jouer un rôle très important dedans, se soignent pas de la même façon. Alors il y a des plantes qui peuvent aider dans certains cas, qui peuvent combiner certaines maladies, on n'a pas besoin d'en prendre plus, mais du coup, c'est très spécifique à chacun. Donc déjà, il faut savoir de quoi on souffre. Il faut savoir ensuite qu'il va falloir faire des tests parce qu'on est dans une expérimentation continue sur soi-même. On devient cobaye, en fait, de ses soins et toujours sans l'aide de personne, hein, parce que les médecins, malheureusement, dans mon cas, en tout cas, ont été très fermés, ne m'ont pas du tout aidé. Et à ma grande surprise, j'ai commencé à aller beaucoup mieux en suivant certains protocoles. Et ensuite, j'adaptais certaines plantes, j'augmentais, je diminuais d'autres. Et au fur et à mesure, je me retrouvais de moins en moins handicapé, de moins en moins alité, beaucoup plus d'énergie, je commençais à revivre. Alors oui, ça n'a pas pris un jour, deux jours, un mois, trois mois, six mois. Dans mon cas, ça a pris des années. Et pendant ces années, j'ai aussi décidé de créer Social Lyme, justement, pour communiquer là-dessus, pour dire aux gens, déjà, vous n'êtes pas seuls, parce que c'est important qu'ils le sachent. De leur dire, il y a des possibilités de se soigner. C'est pas évident, mais moi, je vais essayer déjà, je vous donner à disposition ce que moi, dans mes recherches, j'ai réussi à trouver, à sourcer, à comprendre et à expliquer de manière simple, parce que le but, c'est aussi de donner accès à des documents, en fait, et à des articles qui soient simples, parce que quand on est dans cette situation-là de malade, on est embrouillé, en fait. On a une sorte de brain fog et du coup, on sait pas, c'est un brouillard mental. Et pour s'en sortir, c'est encore plus compliqué. Il faut aussi savoir s'adresser aux proches, parce que les proches ont un rôle très important. Moi, j'ai été vachement épaulé par ma femme et par mes parents qui m'ont énormément aidé.
Sans eux, je pense que c'était quasiment fini, puisque comme je disais tout à l'heure, tous mes amis quasiment sont partis, m'ont laissé tout seul, mais vraiment du jour au lendemain. Donc psychologiquement, ça rajoute une couche. Et moi, j'avais envie que les gens justement sachent qu'ils peuvent s'exprimer sur le site, ils peuvent déjà témoigner de la maladie, ils peuvent avoir accès aussi à des informations de la part de professionnels de la santé, parce que j'essaye de faire intervenir des professionnels de la santé aussi sur le site, des naturopathes, des nutritionnistes qui vont parler en détail de ce qu'on peut faire. Parce que via la nourriture, comme disait tout à l'heure le professeur Perron, on peut faire énormément. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu le régime signalé, mais c'est super intéressant justement pour réduire l'inflammation. Et dans le cadre des maladies vectorielles atiques, souvent l'inflammation est un gros problème. Du coup, en réduisant cette charge-là, ça nous permet d'aller beaucoup mieux. Je pense que Cédric en parlera aussi tout à l'heure, qui est un peu plus orienté thérapeute, donc ce sera peut-être plus. Plus son rôle sur ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler sur le site de tout ce qui existe, tout ce qui est possible de faire, que ce soit sur la partie phytothérapie, mais aussi sur la partie classique, à savoir, par exemple, comment prendre rendez-vous avec un médecin, parce que c'est des rendez-vous qu'on attend souvent très longtemps. Par exemple, 6 mois, on attend un rendez-vous en médecine interne, et ce rendez-vous, en fait, il faut bien le préparer. Parce que si on le prépare mal et qu'on y va souvent mal accompagné, parce que je conseillerais toujours d'être accompagné, on va se faire refouler. Dès qu'on parlera de la maladie de Lyme ou d'une possibilité de ce type de maladie-là, on sera mais botté en touche et il se passera rien. Et du coup, ce rendez-vous qui était tant attendu se transformera en rien du tout. Et du coup, on revient avec un désespoir encore plus grand. Donc, il y a pas mal de petites pistes comme ça que moi je voulais mettre en place sur le site pour expliquer aux gens comment faire, comment s'y retrouver. Pareil sur ce que disait tout à l'heure Valérie. Sur toute la partie, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec une tique accrochée? Comment la décrocher? Est-ce qu'on va à la pharmacie? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on met de l'alcool dessus ou pas? Donc voilà, un peu tout ça, mais aussi des thématiques un peu plus orientées, on va dire, équilibre, donc toute la partie équilibre acido-basique, la partie nutrition, enfin tous ces sujets-là, et surtout beaucoup de plantes aussi. Et c'était l'idée, quoi, un peu démocratiser tout ça et le rendre accessible au plus grand nombre pour qu'on ne se retrouve pas seul. Et qu'on puisse avoir aussi un interlocuteur. Je reçois beaucoup de messages au quotidien, beaucoup de gens qui cherchent à se soigner. Moi, je ne suis pas thérapeute, donc je les oriente vers soit des gens que je connais et que je sais qui soignent la maladie de Lyme, mais en tout cas qui essayent de le faire et qui le font bien, parce que comme on entendait tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Il y a de tout. On va se retrouver avec des gens qui vont vouloir nous soigner en 10 minutes ou qui vont nous promettre en une semaine une guérison instantanée. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ça et j'essaye de continuer à donner la parole aux malades, aussi d'expliquer un petit peu moi ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu et ce que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans pour ne pas me retrouver en errance médicale aussi longtemps. Enfin voilà. Merci. Effectivement, Grégoire, c'est très gentil. Je trouve que c'est super tout ce que tu nous apportes là. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur le chat et on ne peut pas répondre à toutes vos questions. On est submergé de questions, on ne peut pas. Mais en tout cas, je pense que le bon conseil, c'est d'aller faire un tour sur le Social Lyme, justement, où vous aurez beaucoup, d'informations et puis aussi la possibilité de pouvoir discuter et de témoigner de votre vécu, parce que c'est pas possible pour nous hein, de répondre à toutes les questions. Cédric, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, ben, toi, de comment tu vas prendre en charge, toujours dans l'idée de la santé intégrative, comment tu prends en charge les Lyme. Oui, complètement. Alors, que ce soit Greg ou le professeur Perron, on a déjà parlé, hein, qu'on peut tous venir soutenir finalement les malades. Hein. Il n'y a pas que la médecine conventionnelle. La médecine complémentaire peut aussi. Et c'est là où on va parler de médecine intégrative. Les médecins vont donner des antibiotiques, ce que les naturopathes n'ont pas le droit de faire. Et ensuite, nous, on viendra soutenir eh bien, le foie, les intestins, l'aspect psycho-émotionnel, etc. Donc, avant vraiment de commencer, je voudrais quand même donner la définition de la naturopathie parce qu'on entend de plus en plus parler de naturopathe, alors en bien comme en mal, malheureusement. Donc, je voulais quand même que les personnes présentes sachent ce que c'est la naturopathie et la naturopathe. Donc, la naturopathie, elle a pour mission la prévention et le maintien des équilibres de l'organisme hein, pour l'utilisation des techniques naturelles et ensuite la mise en place d'un mode de vie adapté et équilibré.
Donc, on pourrait assimiler un naturopathe comme un éducateur de santé, au sens large, bien sûr, de santé. Alors, pour cela, il va utiliser plusieurs techniques. Hein. Il y en a à peu près une dizaine, mais il y en a trois majeures hein, qui ont été évoquées déjà avant, mais je tiens à les redire. C'est l'hygiène alimentaire. Donc là, on va parler de la nutrition, des cures, comme signalé, il a dit, Greg, mais aussi des différents régimes. L'hygiène psycho-émotionnelle en deuxième pilier. Le professeur Perron a parlé de la gestion du stress, hein, qui peut être un facteur déclencheur sur une maladie chronique qui était stabilisée. Un gros stress peut venir tout perturber. Donc, le naturopathe va venir travailler sur cette hygiène psycho-émotionnelle. Et enfin, là, c'est une de mes casquettes que j'ai parce que je suis en même temps éducateur sportif, c'est le mouvement. C'est amener les gens à bouger. Il y a trop de personnes qui sont sédentaires, voire inactifs, surtout quand ils ont la maladie de Lyme, et qui ne veulent plus sortir, enfin qui se donnent plus la possibilité de sortir. Alors que, en passant de temps en temps par du stretching, un simple stretching tous les deux jours, ou d'aller commencer à marcher 5 minutes à l'extérieur, vous allez voir que ça va améliorer constamment votre santé. Il faut savoir que ce pilier du mouvement est fortement corrélé, bien sûr, à la nutrition. Parce qu'on va venir dépenser de l'énergie, on va venir amener aussi la nutrition, des macros, des micronutriments pour que le système fonctionne bien et pour que ça puisse nous permettre de bouger. Malheureusement, en France, hein, sur cette naturopathie, il y a un problème, c'est qu'elle n'est pas réglementée. Et ça va amener vers des dérives, hein, Greg en a parlé. C'est pour ça que je conseille finalement à toutes les personnes qui ont envie de voir un naturopathe de vérifier à ce qu'il ait une formation, une vraie formation de naturopathe. Moi, de mon côté, hein, j'attends vraiment que la naturopathie soit réglementée parce que j'entends trop souvent des personnes, hein, des consultants qui viennent dans mon cabinet, qu'on leur a conseillé d'arrêter tel et tel médicament pour telle et telle chose, ce qui est complètement à proscrire, hein. L'exemple, c'est souvent qu'on va assimiler le naturopathe comme un médecin naturel, ce qui est complètement faux, voire dangereux. Comme on l'a dit, on travaille ensemble avec les médecins. Nous ne sommes pas des médecins qui utilisons la phytothérapie pour soigner. Déjà, le terme soigner, le terme guérir, c'est un terme que les naturopathes n'ont pas le droit d'utiliser. Donc, à un moment, le rôle du naturopathe est vraiment de venir soutenir l'organisme, de travailler le terrain. Alors, je prends toujours un peu la comparaison de Bécan et Deschamps et de Pasteur. Hein. Ils auraient pu être associés, chacun dans son domaine, mais toujours pour la bonne cause des malades. Le rôle du naturopathe, hein, vraiment, c'est de se positionner en tant qu'éducateur de santé. Et ça, par le biais de la transmission de son savoir qu'il a appris, hein, tout en éduquant en fait les clients qui viennent dans son cabinet à la bonne pratique. Un deuxième rôle aussi, ce serait de se positionner en tant qu'accompagnant, en mettant en place un programme d'hygiène vitale qui est personnalisé. Et encore plus dans les maladies vectorielatiques, dans le Lyme, où chaque individu est différent, a des symptômes différents, a des problématiques différentes. Donc, c'est vraiment un programme qui est personnalisé. Ensuite, si on veut revenir plus aux maladies vectorielatiques, hein, le travail du naturopathe est avant tout un travail, comme dit, de terrain, de venir soutenir l'organisme pour retrouver cet équilibre et lui permettre de lutter contre les infections. Alors, de quelle manière? Donc, on l'a déjà dit, c'est ce rééquilibrage alimentaire, donc l'alimentation, en venant aussi travailler sur le foie, donc la détoxification, en venant travailler la diminution aussi de l'inflammation, qui est très souvent forte lorsqu'on a un terrain infectieux. Et deux gros piliers qui tient à cœur aux naturopathes, c'est le travail sur les intestins et le microbiote, qui sont quand même au cœur de notre système immunitaire. Et enfin, bah, je l'ai dit, le travail sur le système immunitaire. Comment venir soutenir son système immunitaire qui est mis à mal par les infections. Donc voilà on va dire les champs d'action du naturopathe. Mais je le répète encore une fois, nous sommes pas des médecins. Nous travaillons avec des médecins qui veulent bien sûr, qui ont une ouverture d'esprit. On travaille main dans la main avec certains médecins. Enfin, moi, j'aimerais finir, parce que je lisais le chat et il y avait une question, par exemple, si on peut utiliser que la phytothérapie.
Eh bien, moi, j'utilise pas que la phytothérapie, j'utilise en majeure partie une science qui est nouvelle sans trop l'être, qui s'appelle la mycothérapie. Donc, c'est l'utilisation des champignons à des fins thérapeutiques, donc les champignons médicinaux. Et je vais vous expliquer pourquoi il peut être très intéressant d'utiliser la mycothérapie face à des maladies chroniques. Tout d'abord, les champignons, ce sont d'excellents nutraceutiques. Donc, ils sont composés d'un grand nombre de molécules, de substances qui peuvent être bénéfiques pour notre santé. Les champignons sont d'excellents prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils vont venir soutenir l'intestin, le mucus surtout. Le mucus, c'est là où se trouvent nos bactéries commensales, donc les bactéries amies, qui défendent finalement la paroi de l'intestin. Et les champignons vont venir soutenir en fait finalement ce mucus qui héberge les bactéries. Enfin, les champignons sont aussi des adaptogènes, et aussi bien sur le stress psychologique que sur un stress physique. Et pour terminer, la chose la plus importante, je pense, pour les champignons, c'est qu'ils sont immunomodulateurs de la réponse biologique. Donc, ils vont travailler sur le système immunitaire, aussi bien si un système immunitaire qui est en train, qui est paresseux, surtout on pense par exemple dans les maladies infectieuses, mais on va utiliser le même champignon sur par exemple une maladie auto-immune, c'est lui qui va venir réguler le système immunitaire. C'est une molécule qui est très spécifique au règne des champignons médicinaux. Comme dit, les champignons, ce n'est pas des plantes, c'est un règne à part qu'on appelle le règne des fongi, et ils ont une bêta-glucane qui vient agir vraiment sur ces systèmes immunitaires. C'est énormément étudié. Si vous allez dans des moteurs de recherche pour regarder les différentes études qui se font sur la mycothérapie, vous tapez des champignons comme Reishi, Cordyceps ou Erythium, que j'utilise mon cabinet face à des MVT, vous allez voir que vous allez avoir des centaines de publications qui vont sortir, car ces champignons sont vraiment très, très étudiés. Je finirai par dire, si vous voulez trouver ou consulter un naturopathe, donc veillez à ce qu'il soit bien formé. Il y a des écoles qui sont reconnues par des organismes comme le SPN ou l'OMNES, c'est des syndicats de naturopathes. C'est des gens qui ont suivi des formations, qui ont suivi un certain nombre, qui ont fait des mémoires derrière, qui ont fait des soutenances de mémoire. Donc, c'est des gens qui ont des connaissances de naturopathe. Et c'est pas simplement, comme Valier le disait, une personne qui a un jour lu un bouquin d'aroma ou qui a lu, je parlais par exemple de la phyto de Bunner, qui est un phytothérapeute américain, qui est assez intéressant. Mais c'est pas parce qu'un jour on a lu un bouquin de Bunner qu'on peut se dire naturopathe et qu'on va tout de suite prendre tous les consultants qui sont atteints de la maladie de Lyme. Je pense que c'est une partie qu'il faut connaître, qui est plus la phytothérapie. Mais comme dit, le naturopathe voit l'être dans son ensemble et pas simplement sur une cause. Donc, vraiment, il faut veiller à ce que ces naturopathes soient bien formés pour éviter toutes les dérives que vous pouvez lire dans les journaux à scandale où on met en avant certains naturopathes qui ont arrêté des traitements et qui ont amené les gens vers des graves conséquences. Merci Cédric. Alors, merci pour toutes ces informations. Et effectivement, c'est important de travailler ensemble et on est dans l'idée de l'alliance thérapeutique avec le patient et aussi entre thérapeutes pour pouvoir s'aider et puis avancer ensemble. Alors, il y a quelques questions dans le chat auxquelles on peut déjà vous donner des réponses, notamment sur les huiles essentielles à mettre sur de la tique. Tu veux peut-être répondre, Cédric ? C'est marrant, j'y pensais justement quand tu parlais. Moi, j'ai toujours l'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé dans ma trousse à pharmacie. C'est une huile essentielle qui est très puissante, qui est anti-infectieuse, que ce soit fongique, bactérienne ou autre. Et quand vous faites mordre par une tique, quand vous l'enlevez, mettez une goutte de titri. Alors attention, la titri, certaines personnes peuvent réagir, la peau peut réagir un peu plus mal que d'autres. Donc regardez quand même, si vous voyez que la peau elle commence un peu à peler, vous arrêtez le titri. Mais toutes les personnes la supportent. Et je conseille à peu près sur les 3 jours, 5 gouttes par jour, étalées dans la journée pendant 3-4 jours. C'est vraiment ici qu'on aura une action anti-infectieuse de l'huile essentielle de titri. Super, merci Cédric. J'ai une question pour vous, professeur Perron. Il y a des gens qui demandent si on peut déclarer la maladie, une maladie vectorielle atique, longtemps après la morsure. Oui, bien sûr, parce que il y a des personnes qui font tout de suite la tache rouge, le fameux érythème migrant,
impression, parce qu'on a décrit ça en forme primaire, qui est l'éruption cutanée, mais qui manque une fois sur deux, sinon on ne voit rien du tout. Et après, il y a la phase secondaire, après quelques semaines, voire quelques mois, où ça peut être simplement de la fatigue, on ne sait pas pourquoi, on est un peu déprimé, on a mal aux genoux, on a des problèmes de palpitations cardiaques, c'est pas très inquiétant. Puis ça va s'installer comme ça petit à petit. Après, il y a des personnes qui font des formes très aiguës. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés en forêt, et puis trois semaines après, ils faisaient une méningite avec des paralysies de façon très... Alors, c'est rare, bien entendu, par rapport à l'ensemble des patients. Donc, on peut voir un petit peu tous les formats. Puis après, les gens qui sont contaminés depuis des années, où tout ça est passé inaperçu, ne sont pas posés de questions, vont aller vers des maladies beaucoup plus chroniques, dégénératives. Et on sait que les borrelia, d'autres micro-organismes dans le cerveau, sont des cofacteurs de maladies neurologiques dégénératives avec des paralysies ou la maladie d'Alzheimer. Il y a plein de publications là-dessus, même si les neurologues ne veulent pas le voir. Même dans l'autisme aussi, il y a des causes infectieuses qui ont été publiées qui semblent évidentes avec des résultats de traitement. Malheureusement, alors si on parle de l'autisme tout de suite, on est censuré par les autorités, les médecins sont radiés par le Conseil de l'Ordre, mais ceci dit, il y a des données, il y a des publications là-dessus. Donc, sur les maladies psychiatriques aussi, il y a des publications qui montrent que dans la schizophrénie, les traitements antibiotiques peuvent améliorer certains malades. C'est des études randomisées publiées, c'est pas moi qui l'invente, mais il y a l'omerta sur toutes les publications qui n'arrangent pas la position officielle. Et il y a aussi une question sur, en moyenne, combien de temps dure le traitement antibiotique? Alors, un érythème migrant normal, c'est à peu près 2 semaines de traitement. Mais après, faut que le médecin accepte, parce que souvent les médecins, s'il n'y a pas une preuve biologique, ils refusent, c'est une faute médicale. Moi, je dis, si un médecin vous refuse de vous traiter un érythème migrant, vous prenez la photo de l'érythème migrant, vous portez plainte au Conseil de l'Ordre pour faute, parce que toutes les recommandations nationales et internationales disent que le médecin doit donner un traitement antibiotique. Il faut renverser un petit peu le rapport de force, parce que, alors après, dans les formes chroniques, souvent c'est dit 3 semaines, mais en fait c'est plutôt 1 mois, pour voir s'il y a un résultat. Mais ce n'est pas parce qu'on est mis au bout d'un mois qu'on est guéri. Et quand je dis pour voir un résultat, le problème, c'est que vous avez une méningite ou puis vous avez des problèmes neurologiques, des paralysies, tout ça. On vous met un traitement antibiotique parce que votre test Lyme est positif. Vous êtes hospitalisé. Bon, finalement, l'interniste accepte de vous traiter parce que votre test est positif. Sinon, il refuse de vous traiter en général. Il vous met sous perfusion d'antibiotiques. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est la catastrophe. Vous êtes bien plus mal qu'avant, vous avez mal partout, vos troubles s'aggravent. Et que fait le médecin? Il dit, vous voyez, c'est la preuve, le traitement ne marche pas du tout. D'ailleurs, il y a des effets secondaires du traitement. On arrête et on passe à autre chose. On met à la poubelle le diagnostic de Lyme. Moi, j'ai fait une erreur médicale fondamentale. C'est presque, je dirais, normal, entre guillemets, que 3/4 des gens s'aggravent dans les formes sévères un peu. Ils s'aggravent pendant le traitement. Et cette aggravation, elle n'est pas toujours pendant 2 jours, elle peut durer 3 semaines, elle peut revenir même, il y a des phases d'aggravation, d'amélioration. Donc moi je dis, tant que les symptômes persistent, il faut continuer à traiter. Donc ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois, dans des cas plus exceptionnels, plus longtemps. Après, le problème c'est qu'on ne peut pas donner des antibiotiques, ça gêne personne de donner de la doxycycline qui est un antibiotique pour l'acné pendant 2 ans à des adolescents. C'est normal, ça gêne personne quand il y avait le sida de donner du Bactrim pendant des années à des patients, ça gêne personne que dans beaucoup de maladies chroniques, inflammatoires, tout ça, on donne des antibiotiques de façon pendant quelquefois des années chez certains patients, là c'est normal. Alors si sur le Lyme, moi je traite 6 mois un patient, ah là c'est criminel, je suis responsable de la résistance aux antibiotiques, donc faut arrêter. Après moi je suis responsable, je suis pas pour donner des antibiotiques ad vitam aeternam, surtout que ça marche pas chez tout le monde, mais il y a quand même des études, certaines sont pas, il n'y a pas forcément des études cliniques randomisées de haut niveau de preuve qui ont été publiées, parce que de toute façon, on n'a pas le droit de faire ces études. Par exemple, l'hydroxychloroquine, le fameux plaquenil qui marche sur le Covid, marche très bien sur l'âme chez 3/4 des patients. Ça ne marche pas, c'est 100%. Et plaquenil, on peut en donner pendant des années, parce que quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, son rhumatologue peut lui donner du plaquenil pendant des années. Bon, le plaquenil fait partie. J'ai toujours donné du plaquenil associé à un antibiotique à tous mes malades pendant des années. C'est le médicament que j'ai le plus prescrit depuis 20 ans
en médecine. Alors, quand Véran a dit que le plaquénil, ça tue en 5 jours, là, j'ai rigolé parce que c'était vraiment des bêtises. Donc, c'est un exemple. Alors, ça ne va pas marcher chez tout le monde. Il y a des échecs du plaquénil. Ça peut aussi aggraver les symptômes au début. Je ne vais pas citer tous les médicaments. Il y a des gens, probablement, que la borrelia, c'est un des facteurs, mais ils sont beaucoup plus contaminés par des parasites. Alors, il y a Babesia, il y a Telleria, je ne vais pas citer tous les noms latins. Mais des gens réagissent beaucoup mieux à des traitements réputés pour avoir une action anti-paludisme, comme la malarone. Alors, tout de suite, on dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas prouvé, mais n'empêche qu'il y a des gens qui ont guéri avec les traitements antiparasitaires, alors que les antibiotiques n'avaient pas très bien marché. Donc, moi, je pense qu'il y a en fait un fourre-tout de microbes, bactéries. Alors, sur les virus, ben, malheureusement, on n'a pas d'antiviraux actifs sur le virus d'Epstein-Barr, de la mononucléose, sur tous les autres virus du groupe herpès. Donc, si vraiment il y a, et je pense que chez certains patients, il y a des virus qui sont impliqués, c'est pour ça qu'ils ne guérissent pas, parce qu'on donne des antibiotiques, on donne des antiparasitaires qui vont très bien marcher chez certains et pas chez d'autres. C'est pour ça qu'en fait, ces traitements dans le Lyme sont à la carte. Moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience, il n'y a pas un traitement qui va marcher chez tout le monde. Il y en a, ils vont être super, 20% vont être super contents, vont me sauter au cou, merci docteur, vous m'avez sauvé en 2 mois, 3 mois. Puis d'autres vont vouloir me casser la figure en disant « Attendez, depuis que je prends votre traitement, je suis bien plus mal foutu qu'avant, vous êtes en train de me tuer. » J'ai jamais tué personne, je vous rassure, mais c'est vrai que ça peut aggraver. Et c'est pour ça que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la lutte contre le microbe, et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues qui font un peu de la naturopathie, c'est que le mode de vie, l'alimentation, peut-être les métaux lourds, ça… Pareil, il y a des gens qui sont ruinés pour se faire enlever des amalgames dentaires, faire des traitements de chélation qui sont interdits en France, je le rappelle. Il y en a qui l'ont quand même fait à l'étranger de façon clandestine. Ça a très très bien marché chez certains, ça n'a pas du tout marché chez d'autres. Donc, il n'y a pas un truc qui marche chez tout le monde. J'en ai marre qu'on pense qu'il y a une étude randomisée, il y a une bactérie, on met un antibiotique contre placebo, puis il faut montrer que ça marche chez tout le monde. Ça, c'est pas de la médecine, c'est pas de la science. L'homme est beaucoup plus complexe. Il y a la bactérie, il y a d'autres parasites, des co-infections, le terrain immunitaire, le terrain génétique, l'alimentation, et l'activité physique. Alors, je suis entièrement d'accord, parce que je pense que l'activité physique joue un rôle dans un bon entretien du système immunitaire. Il y a des gens qui disent qu'il faut marcher une demi-heure ou une heure par jour tous les jours, et rien que la marche, quand les gens disent je ne peux pas faire de sport, ok, mais vous pouvez déjà marcher dans la rue, faire le tour de promener dans les parcs, et déjà ça, rien que de faire de l'activité physique, ça, c'est une aide dans la lutte contre toutes ces maladies chroniques. Merci. Donc là, effectivement, parce qu'on a plein de questions sur le traitement, et là, on se rend compte ce soir que le traitement va être individualisé. Et puis finalement, le plus important, c'est d'essayer de trouver à chacun ce qui va correspondre à sa globalité propre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te donner de réponse toute faite. Je crois que Valérie, tu voulais ajouter quelque chose. Il faut juste que tu remettes ton micro. Voilà. On m'entend ? Oui. Oh, je lisais un peu les commentaires pendant que j'écoutais aussi nos amis qui parlaient là. Et si on pouvait faire vite, ça me paraît important de répondre à 2-3 petites questions. Il y a un monsieur qui était un peu énervé sur le chat, qui est naturopathe a priori, et qui dit comment ça, un naturopathe ne peut pas soigner. Il me semble que Cédric l'a très bien expliqué. Il y a une histoire de vocable aussi. Ouais, c'est une question de vocabulaire. Le soin, c'est réservé à des professionnels de santé. On se risque à du pénal. Le naturopathe, s'il va promettre de soigner, de guérir une personne, c'est réservé aux professionnels de santé. Je vais le répéter. Et c'est pour ça qu'on travaille normalement en médecine intégrative, main dans la main avec les médecins. Les médecins, on n'a pas le temps de gérer tout l'ensemble de l'organisme. Hein. Il va tirer au plus juste. Sa salle d'attente est pleine et il voit beaucoup de monde. Le naturopathe va prendre un peu plus de temps. Donc,
Et le soin par les plantes, ceux qui soignent par les plantes s'appellent des phytothérapeutes. Le naturopathe n'est pas un phytothérapeute, hein, c'est pas un spécialiste de la plante. Le naturopathe, il a des connaissances en aromathérapie, il a des connaissances en sport un peu, en psychologie, mais c'est pas un sophrologue, c'est pas un phytothérapeute, c'est pas un aromathérapeute. Okay. Donc attention quand vous utilisez, parce que je disais certaines personnes qui utilisent les huiles essentielles, attention à la puissance même des plantes, attention, ou des champignons, attention à la puissance de chaque composé, chaque molécule qui se trouve dedans, surtout si vous automédiquez. Ok, il y a une autre question qui me paraît importante. Alors, je ne sais pas si Greg ou Christian veulent la prendre à deux. C'est une question vraiment très intelligente et très pratique. Si quelqu'un me dit voilà, je vais aller voir mon médecin. C'est un jeune médecin et il ne sait pas quoi mettre sur l'ordonnance pour chercher d'autres maladies que la borréliose. Quelles sont les co-infections qu'il doit marquer sur l'ordonnance? Ça, c'est des questions qu'on nous pose à nous, beaucoup les associations, et j'aimerais bien que vous y répondiez ce soir. Il y a beaucoup de gens. Alors, moi, je vais laisser répondre Christian parce que c'est lui le médecin, c'est lui qui est expert sur ces sujets-là. Moi, je vais rester dans l'humilité et je, voilà. J'en poserai une autre à toi après. Après, vous pourrez commenter, mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, pour toutes ces co-infections, bactéries, parasites, tout ça, souvent, il n'y a pas de test fiable. On peut faire une sérologie de Babesia, qui est un parasite très fréquent. Mais malheureusement, la sérologie, selon le laboratoire où on va, la sensibilité peut aller de 10% à 80%. Et le pauvre patient, il ne sait pas si le labo va faire un bon test, un mauvais test. Et ce n'est pas reconnu officiellement. Donc, si le test est positif, vous avez de la chance. Tiens, j'ai peut-être une babésia, je vais prendre un traitement contre le paludisme. Si c'est négatif, alors vous avez peut-être la babésia. Et tout est comme ça. Vous pouvez faire rickettsia, ehrlichia, que des noms latins. Hein. Je suis désolé, Bartonella. Qui est la Bartonella la plus connue de la maladie des griffes du chat, mais il y a beaucoup d'autres Bartonella animales qui contaminent l'homme, qui peuvent donner des histoires chroniques. Donc, si le médecin connaît un peu, il peut mettre sur l'ordonnance de faire des tests sérologiques pour tous ces microbes. Mais je mets en garde, attention, beaucoup de ces tests ne sont pas très fiables. Ne testent qu'une seule espèce de la bactérie, mais pas toutes les espèces qui sont pas vraiment auquel la médecine s'est pas intéressée. Et donc, ça va être très réducteur. Donc, c'est pour ça que moi, je crois pas trop dans les tests. Quand ils sont positifs, je suis content pour le patient. Mais si c'est négatif, ça change pas du tout. Moi, je vois un patient qui a plein de troubles comme ça. Je vais éliminer qu'il n'a pas un cancer, une tuberculose, une autre maladie grave ou auto-immune connue. Mais si je trouve rien, je vais dire, ben, voilà, il a tout un symptôme. On avait obtenu ça à l'Haute Autorité de Santé, d'appeler ça le SPPT, syndrome polymorphe. Cure de tique. Possiblement lié à une piqûre de tique. Syndrome persistant polymorphe, possiblement lié à une piqûre de tique. C'est un peu compliqué comme acronyme, mais la Haute Autorité de Santé a reconnu qu'on a un fourre-tout de malade. Quelquefois, on a une étiquette fibromyalgie, comme ça, qui ont des trucs bizarres, on ne sait pas trop. Et là. Le meilleur test diagnostique, c'est de faire un traitement antibiotique d'épreuve et c'est recommandé par la Haute Autorité de Santé. Malheureusement, les médecins qui aujourd'hui se font taper dessus tous les jours s'ils donnent trop d'antibiotiques refusent la plupart du temps de donner un traitement s'il n'y a pas de preuve biologique, s'il n'y a pas un résultat écrit. Et ça, c'est dramatique, c'est-à-dire que les médecins ne font plus de la médecine, ils font une espèce de médecine robotisée qui Et là, il faut se battre là-dessus. Alors, si votre médecin refuse, il faut aller en voir un autre ou essayer. Malheureusement, on sait qu'il y en a qui sont… Il y a des bons médecins à l'étranger qui sont moins poursuivis, qui continuent à faire du bon boulot. Mais sinon, on est un peu coincé. C'est pour ça que le recours aux méthodes naturelles, moi, j'ai vu des gens transformés avec la phytothérapie, avec d'autres… avec d'autres traitements, changement de l'alimentation, même si ça ne les guérit pas complètement, déjà, ils ont pu beaucoup progresser dans leur maladie, voir qu'il y avait des choses qui pouvaient marcher. Après, il faut chercher, puis essayer de trouver un médecin. Et je trouve que ce qui est génial, c'est que le médecin et le naturopathe collaborent. C'est comme moi, par exemple, j'ai des patients qui avaient des scléroses en plaques, des polyarthrites rhumatoïdes, qui étaient possiblement des maladies de Lyme. Je ne dis pas que toutes les scléroses en plaques sont des maladies de Lyme, certaines peuvent l'être. Alors moi, je leur dis, ils venaient me voir, disaient, docteur, voilà,
Est-ce que j'ai la maladie? J'ai dit, ben oui, apparemment, il y a des signes quand même compatibles. Si moi, je veux bien vous donner un traitement antibiotique d'épreuve, mais parlez-en d'abord à votre neurologue, voir s'il est d'accord. Après, si le neurologue est complètement fermé, moi, je ne vais pas me battre contre lui, mais il y avait des neurologues tout à fait ouverts, en disant surtout, vous continuez le traitement de votre neurologue. C'est un bon médecin qui fait la médecine symptomatique de la neurologie qui peut vous aider. Surtout, n'arrêtez pas le traitement. S'il est d'accord, on essaye le traitement antibiotique, antiparasitaire à côté. Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben on arrête au bout de quelques semaines. Et quand il y a une bonne entente comme ça entre le spécialiste et puis l'infectiologue qui a une idée un peu nouvelle, ça se passe très très bien. Les patients sont ravis. Et ça ne va pas à l'encontre du médecin spécialiste. Et il y a quand même des médecins spécialistes qui ont l'esprit ouvert, qui disent ben oui, tiens, c'est intéressant. Et puis, quand la sclérose en plaques guérit, ben, ils sont un peu perturbés, mais tant mieux pour le patient. Alors, je ne dis pas que j'ai guéri toutes les scléroses en plaques, et j'en ai peut-être guéri 20-30%, pas plus. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a des scléroses en plaques, des polyarthrites rhumatoïdes, des maladies auto-immunes, dont le facteur principal est un facteur infectieux. Ce n'est pas le cas chez tous, donc je ne veux pas donner de faux espoirs à tous ces malades. Après, si je peux me permettre, du coup, je voulais aussi parler d'une chose qui me paraît importante par rapport à ce que vient de dire le professeur Perron, c'est que on oublie peut-être le rôle aussi du malade. C'est-à-dire que je crois que dans ces maladies-là, dans ces maladies civilisationnelles, je pense qu'il est important de comprendre ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive, et à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement au mieux expliquer aux thérapeutes ce qui se passe et faire des recherches aussi sur soi, pour essayer de vraiment être au centre de l'équation. Parce que si on attend une réponse uniquement du médecin ou uniquement du naturopathe ou même des deux, je pense que dans certains cas, on peut passer quand même à côté de quelque chose. Donc le malade, à mon sens, a vraiment un vrai rôle à jouer et il faut vraiment vous écouter et ne pas avoir peur de vous exprimer. Il faut vous exprimer qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas faire du sport. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire du sport? Et vraiment l'expliquer. Moi, pendant 2 ans, je ne pouvais pas en faire. On me disait faites du sport, je ne pouvais pas sortir de mon lit en fait. Donc voilà, je sais aussi que quand on dit faites du sport, c'est quelque chose, moi dans ma tête ça résonne négativement. Aujourd'hui j'en refais, il n'y a pas de souci, mais voilà, sur le coup c'est difficile pour un malade d'accepter ça. Il faut aussi savoir l'exprimer et essayer de le dépasser, et c'est peut-être dans ce travail de compréhension qu'il y a des réponses aussi à chercher. Bravo. Je suis ravi que vous disiez ça, parce que j'ai toujours dit à mes malades de Lyme, c'est vous votre meilleur médecin. Moi, je suis là pour vous conseiller, etc. Mais c'est vous qui ressentez dans votre chair ce qui se passe, si un traitement marche, ne marche pas. Ce n'est pas une étude randomisée de 97 frauduleuse qui va me dire si c'est vrai ou pas. C'est vous en tant que malade. Et moi, j'ai des malades, comme en plus, ils étaient quelquefois en arrêt maladie, ils avaient beaucoup de temps de chez eux, même pour regarder sur Internet, certains parlaient anglais, faisaient la bibliographie de toutes les références scientifiques nationales, internationales. D'ailleurs, c'est les malades qui m'ont beaucoup apporté, hein, c'est eux qui m'apportaient souvent les références bibliographiques récentes. Et les malades qui ont cherché, ils savaient bien plus que moi. Moi, j'ai beaucoup appris de la part des malades, c'est eux qui m'ont appris. Ben, regardez, moi j'ai pris telle plante, je vais beaucoup mieux. Alors, au début, j'étais un peu surpris, mais pour moi, en médecine, c'est le malade qui est au cœur de sa santé. Mais quand je dis à des patients, c'est vous votre meilleur médecin, c'est vous qui devez juger comment. Il y en a qui comprennent pas. Je sais pas, il y a des malades, vous recommandez des plantes, mais je veux savoir lesquelles, dans quelle ordre, à quelle dose, à quelle heure. Je dis, j'en sais foutre rien. Vous m'emmerdez avec vos questions. Je vous donne éventuellement une liste de plantes que vous essayez. C'est vous qui essayez, peut-être à petite dose au début, parce que certaines donnent des réactions un peu fortes au début. Vous regardez si ça marche, vous notez, vous en essayez une autre. C'est à vous de vous approprier votre santé, de faire un petit peu les essais, parce que tout ça ne sera jamais publié dans la littérature médicale officielle. Et là, je suis disais ça, c'est le malade. Dada, dans la médecine, si on se souvient, la médecine basée sur les preuves, qu'on appelle en anglais evidence-based medicine ou médecine factuelle pour nos amis québécois, c'était des Canadiens qui avaient décrit ça il y a plus de 20 ans. C'est un trépied, c'est-à-dire que la première branche du trépied, c'est les publications scientifiques, mais qui n'existent pas sur toutes les maladies ou qui ne sont pas toujours de bonne qualité. La deuxième branche du trépied, c'est l'expérience du médecin. On l'oublie toujours. La troisième branche du trépied, c'est au final l'avis du patient. On lui expose les données de la littérature, bonne ou pas bonne. Son médecin dit voilà mon expérience, et maintenant c'est vous qui choisissez. Et ça, on l'oublie toujours. Le malade doit être au
cœur de sa santé. Et ça, j'ai toujours dit ça à mes patients. Ça n'a pas toujours été accepté par des patients qui étaient trop formatés par le système. Oui, c'est la loi de démocratie sanitaire, hein, 4 mars 2002, loi Kouchner. Le patient a le droit d'être informé et d'être impliqué dans les soins. Et nous avons dépassé notre émission. Donc oui, nous arrivons à la fin de l'émission et je vous remercie vraiment tous les quatre pour toutes les informations que nous avons reçues ce soir. Il y a évidemment plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais je vous conseille d'aller faire un tour sur tous les sites internet que je vous ai mis en commentaire pour pouvoir vous informer. Et arrive le moment du mot de la fin, donc je vais donner la parole à Valérie qui va nous montrer un peu des petits livres pour nous faire son mot de la fin. Alors, il y a effectivement plein de livres qui existent en français et en anglais, écrits par des médecins, des thérapeutes, des naturopathes, ça c'est pour le volet se prendre en charge et connaître ce qui se passe. Il y a énormément de livres de malades qui témoignent. La dernière qui a témoigné, eh bien, c'est Marie-Félix qui a écrit un livre qui s'appelle « Lyme, si les malades savaient et si les médecins pouvaient ». Je vous conseille de vous intéresser à son livre. Et dernièrement, il est sorti un livre qu'on n'attendait pas, un policier de métier, auteur de romans policiers, qui étonnamment a articulé l'intrigue de son polar autour de la maladie de Lyme. Alors, je l'ai lu, moi je ne suis pas très polar, donc à la base ça m'a fait un peu peur parce que c'est violent les polars et tout ça, mais ce livre, il faut l'acheter, il faut l'offrir autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous avez forcément des amis, de la famille, des collègues qui aiment les polars et l'air de tout mine de rien en lisant ce livre. Ils seront mis au contact avec les informations qu'on vous a données ce soir, c'est-à-dire qu'il y a un problème sanitaire et un dogme qui pèse sur les soins de la maladie de Lyme et qui laisse des gens sur le carreau, des millions de gens, pendant des années. Alors, il s'appelle Flot Noir, retenez bien ce nom, et il est aux éditions Les Mots qui Portent. Merci à vous de nous aider à faire circuler ce livre et celui de Marie, qui vaut le coup d'être lu parce qu'elle parle aussi de son expérience dans un autre pays avec des plantes alors qu'elle a été malade pendant de très 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 nombreuses années. Je voulais dire aussi que on nous demandait dans le chat si on était guéri, si on avait pris des antibiotiques, des plantes. Ben, en fait, Greg et moi, je pense qu'on peut dire que oui, on a essayé plein de choses. Je peux pas dire que ce soit une maladie vectorielle atypique qui me tient au lit en ce moment. Mais ma santé ne va pas très bien. Des gens nous demandent qu'est-ce qu'on fait. Ben, on convainc son médecin, de si ça ne marche pas avec les antibiotiques, de rajouter, je ne sais pas, les antiparasitaires, d'oxychloroquine, de faire des essais. Et alors, on va vers Cédric ou des gens comme lui, bien formés. Et surtout, on garde l'esprit critique. Voilà. Merci à vous tous. Belle émission. Merci Valérie. Alors Cédric, quel serait ton mot de la fin ? Bah, c'est garder courage, hein, toujours, hein, et c'est exactement ça, garder la tête haute. C'est le seul moyen qu'on verra la lumière au bout du tunnel, même si on verra peut-être pas toute la lumière, mais je pense que il y a toujours moyen d'améliorer sa santé. Il y a beaucoup de choses, donc voilà, et je voulais vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. Merci Cédric. Greg, quel est ton mot de la fin ? Moi, j'aimerais dire surtout aux gens qui écoutent de garder espoir, quelle que soit leur maladie, hein, que ce soit Lyme, que ce soit autre chose, que ce soit une dépression, que ce soit quelque chose qui les affecte au quotidien. Gardez espoir, battez-vous, ne lâchez rien. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Parfois, ça prend des années, mais peut-être que ça peut arriver. Alors, il faut continuer. Voilà. Merci, Greg. Professeur Perron, alors, quel sera votre mot de la fin ? En mode de la fin, c'est faudrait revenir vers une médecine humaniste. Après, sur le problème spécifique de Lyme, comme il y a un problème politique qui est complètement sous omerta, on n'arrive pas à avancer. Moi, mon souhait, c'est qu'il y ait de la recherche significative financée pour Lyme, parce que quand je demandais le financement de travaux de recherche, on me disait on finance pas une maladie imaginaire. Hein, c'était quasiment les réponses officielles. Quand on voit que Macron a donné plus de 3 milliards d'euros aux médias et qu'il donne et même pas 1 milliard de dons pour l'INSEE, pour la recherche en général, je parle même pas que pour Lyme, il n'y a plus de recherche, de financement significatif pour la recherche publique
en France. Donc la recherche dépend uniquement de l'industrie pharmaceutique. On voit les dérives qu'il y a eu. Donc moi, mon vœu, c'est ça, de retrouver une vraie recherche publique pour faire avancer les choses. Et avant de dire que quelque chose n'existe pas, on le démontre. Parce que ce qui m'a traumatisé dans cette histoire, c'est si ce n'est pas connu avant, on n'a pas le droit de le chercher, ça ne sert à rien. Voilà, donc je suis quand même optimiste sur le, disons, le long terme, parce qu'à court terme, c'est un peu difficile. On voit qu'il y a eu une régression ces dernières années. Et puis pour les malades, je leur souhaite de trouver le bon parcours. Je sais que c'est difficile en ce moment. Je suis tout cœur avec eux, mais effectivement, les médecines naturelles peuvent beaucoup les aider s'ils n'arrivent pas à trouver tout de suite le médecin habituel qui accepte de les prendre en charge. Ce qui est difficile actuellement, ce n'est pas la faute des médecins, c'est le système. Il faut tenir bon et continuer à parler de ces maladies vectorielles atypiques qui jouent un rôle considérable dans la santé de la population. Eh bien, je vous remercie tous les quatre. Donc, effectivement, on revient sur l'idée de la reconnaissance aussi de la maladie et des multiples prises en charge qui peuvent exister. Et je terminerai en vous disant, écoutez votre médecin intérieur. Le patient sait aussi, lui, beaucoup de choses. Je vous rappelle juste un petit peu les infos de Réinfo Santé, que nous avons notre petite page Facebook. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur le site réinfosanté.fr et évidemment toutes nos émissions sont en replay sur notre page YouTube. Et notamment, on parlait de la sclérose en plaques tout à l'heure, on a fait une émission sur la sclérose en plaques l'année dernière, qui peut être visionné sans souci. Et vous rappelez que la semaine prochaine, on va faire une émission sur le deuil et sur les deuils impossibles et sur l'importance du rituel de deuil. Si on reprend la crise Covid, beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'impossibilité de faire leur deuil. Donc, on va reparler un petit peu de tout cela avec des super invités mardi soir prochain. Mais en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.